Salut et bienvenue pour ce premier cours de robotique ici à l'école. Et oui, la robotique, ça existe aussi à l'école. Bravo d'avoir choisi ce cours, je te félicite et te remercie. Et nous allons commencer tout de suite à comprendre ce qu'il y a, comment ça fonctionne et ce que nous allons faire. Premièrement, que l'on se rassure, la robotique à l'école, il ne s'agit pas d'être un super crack en maths ou d'être super fort en calcul ou etc. Il suffit juste d'observer et de faire fonctionner un tout petit peu sa tête, on guillemets la logique. Mais à part ça, tout va très bien. On va travailler avec un robot qui s'appelle un robot Timio, qui est entièrement suisse, fait en Suisse, non pas fait en Suisse, mais qui est inventé en Suisse. Et il est très pratique parce qu'il nous permet de programmer de différentes manières ce robot. Nous allons apprendre à programmer de manière visuelle à l'aide d'un logiciel qui nous met des palettes graphiques, des outils, des boutons, c'est que du graphisme qu'on met pour faire évoluer ce robot. Mais on va aussi apprendre à coder pour faire bouger ce robot uniquement avec du code et des instructions plus évoluées, plus poussées avec l'ordinateur. Ah oui, l'ordinateur, bien entendu. Il faut un ordinateur et non pas une tablette ou un smartphone. Il faut donc bien un ordinateur parce que le Timio ne se programme pas avec la tablette, malheureusement. Donc il faut vraiment un ordinateur pour ceci. Le robot Timio, il existe sous différentes versions. Il a été fait sous une première version où il ne conversait qu'avec un fil avec l'ordinateur, parce que l'ordinateur a le programme et il le charge à l'intérieur du robot pour qu'après il puisse évoluer sans l'ordinateur. C'est le but en fait. Un robot est donc une machine qui permet d'effectuer un programme de manière autonome. Donc avant on avait un fil qui permettait de donner le programme à l'intérieur du robot. Mais maintenant, on a un peu évolué, le robot a évolué, il y a des robots qui sont wireless, qui fonctionnent avec le réseau internet, ou des robots qui fonctionnent avec un Bluetooth, qui font une petite clé spéciale que l'on met derrière son ordinateur et on jumelle les deux pour qu'on est sûr que ce soit bien le bon robot qui fonctionne avec la bonne clé. Pour ceci donc, il faut donc bien prendre le bon robot avec un numéro ici dessous et la clé avec le bon numéro aussi, les deux numéros qui correspondent. Mais ça, c'est pour le cours d'après. Donc pour l'instant, la clé, j'en ai pas besoin. Si tu as aussi avec toi des écouteurs, avec une prise mini jack qui peut rentrer dans l'ordinateur, c'est parfait. Comme ça, tu peux écouter ces vidéos de manière plus tranquille, pour toi tout seul. Et comme ça, pas de souci. Donc, nous allons commencer notre premier cours. Pour ceci, il faut prendre le robot Timio à l'intérieur de la valise. Donc il faut prendre ton robot, prendre la bonne clé qui va avec. Et une fois que tu as ça, on y va pour la première mission. Normalement, tu reçois aussi en même temps un cahier électronique dans lequel je te donne quelques instructions, je te pose quelques questions. Tu vas en quelque sorte mener l'enquête pour découvrir comment fonctionne ce robot. Et pour chaque fois aller plus loin, pour chaque fois découvrir de nouvelles aventures, de nouveaux exercices qui te permettront chaque fois d'ajouter des connaissances à ce que tu as déjà. Et bien sûr, à chaque étape, il y a un défi, une question, un jeu que je te propose, que tu vas pouvoir résoudre avec ce que tu as vu durant les leçons précédentes. Durant toutes les autres leçons, à part celle-ci, tu vas d'abord faire exactement ce que je fais moi, recopier simplement, et ensuite aller plus loin et encore aller plus loin. C'est tout ça. On commence avec notre première mission qui est la mission de découverte du robot Timio. Pour ceci, comment l'allumer? C'est simple, je prends mon robot, si possible je le pose sur une surface plate et j'appuie sur le bouton central longtemps jusqu'à ce que le robot se réveille. Il est réveillé. Et maintenant, à l'aide des flèches sur le robot, n'importe laquelle, je peux appuyer et chaque fois que j'appuie, si tu remarques, le robot change de couleur. Parce qu'en fait, il a des programmes qui ont déjà été mis dans sa mémoire et qu'on ne pourra pas effacer, ils sont dedans pour toujours. Alors on choisit la couleur, tiens, par exemple, je vais prendre le rouge. Si c'est le rouge, je peux appuyer au centre pour valider mon choix. Ce qui fait que maintenant, le robot va fonctionner sous le mode rouge. Il a quelque chose qu'il n'a pas trop aimé, je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas à quoi correspond ce mode rouge. Ce sera à toi de découvrir ce mode.
Par exemple, si je place les mains devant ou derrière, ou si je fais du bruit, ou si je ne fais pas de bruit, ou si je le mets proche de la table, ou si vraiment, etc., je fais quelque chose avec, qu'est-ce qui se passe? Petite astuce pour le rouge, tu peux même essayer de le lancer et de le rattraper dans les mains sans changer de mode, bien entendu. Hein? Parce que ça, c'est spécial sur le rouge, il a quelque chose de spécial. Il fait des petits bruits que ne font pas les autres modes. Donc, tu dois découvrir tous les modes qui sont à disposition dans le robot. Je choisis le mode. J'appuie sur le bouton central. Si maintenant, je veux changer de mode, je rappuie sur le bouton central pour sortir du mode et j'appuie sur n'importe laquelle des flèches pour changer sa couleur et pour trouver celui qui me plaît. Je remarque par exemple ici, sous le mode vert ou jaune, ou je ne sais pas quelle couleur c'est, eh ben, qu'il avance tout seul et que si je mets ma main, par exemple, eh ben, peut-être qu'il lévite, ou etc. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut essayer à quoi correspond chaque mode qu'a le Timio à l'intérieur. Une fois qu'on a fini, eh ben, il faut éteindre l'appareil. Comment est-ce qu'on fait? Ben, comme je l'ai allumé. C'est-à-dire que d'abord, j'arrête le mode et ensuite, j'appuie longtemps sur le bouton central pour qu'il s'éteigne. Il fait sa petite musique d'au revoir. Il est éteint. Je peux donc le ranger pour une prochaine fois. Ne pas oublier de ramener, bien sûr, la clé. On puisse aussi l'arranger avec. Voilà pour cette première mission. Tu verras dans tes missions suivantes que ça va être chaque fois un petit peu plus compliqué. N'oublie pas de prendre le fichier qui accompagne cette mission parce que je te pose des questions auxquelles tu devras y répondre. Donc, fais toujours le meilleur de toi-même, c'est ça qui est le plus important. Vraiment, donne toujours le meilleur de toi-même, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et rassure-toi, l'erreur, ne pas comprendre, pas arriver du premier coup, c'est normal. Ça veut dire que tu apprends. Si moi, je ne faisais pas d'erreur, ben j'apprendrais pas. Ça veut dire que je sais déjà. Tandis que je fais des erreurs, parfois je me trompe. C'est-à-dire que eh ben, ça veut dire que je ne sais pas tout et que je suis encore en train d'apprendre. C'est ça qui est génial. Alors ici, en robotique, on peut se tromper. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est de rester dans son erreur. Ce qu'il faut faire, c'est je sais que j'ai une erreur, que j'ai eu un souci et que je vais mettre tout en œuvre, je vais faire tout mon possible pour enlever cette erreur, pour que j'ai appris quelque chose. J'espère que pour toi, c'est pas trop. Alors, en avant pour ta première mission. À bientôt, mon ami!